Un antagoniste fait toujours l'objet d'une fascination dramatique et caractérielle, comme de nombreuses séries récentes l'ont prouvé au travers de personnages que l'on n'aurait pas forcément imaginé comme central de celle-ci. Dans un sens, au regard de séries comme Game of Thrones ou plus radicalement des œuvres comme Hannibal ou House of Cards, on voit se dessiner clairement un besoin chez le téléspectateur de se placer du mauvais côté de la justice. Pas forcément dans un besoin pervers, mais dans une forme de nécessité d'identification caractérielle qui permet à celui-ci de se rendre compte de l'impact de ces personnes sur notre monde. Si ces séries sont devenues si populaires, c'est parce qu'avant est passée une série déjantée et totalement novatrice. Une série plongeant le téléspectateur au cœur d'une aventure de serial killer et de meurtres sanguinaires, justifiée de manière superbe par un personnage charismatique et sortant de l'ordinaire. Un expert en taches de sang, devenant la nuit un terrible serial killer, obsédé par une forme de justice cathartique, recherchant à équilibrer la balance entre le bien et le mal, en amenant le mal dans son retranchement le plus bénéfique. Un tueur de serial killer, devenant l'emblème d'une pop culture, à la recherche de nouvelles icônes, ce héros ayant ouvert la voie à des personnages télévisuels violents, malsains, mais toujours à la recherche d'un idéal extrêmement complexe à atteindre. Ainsi les plages de Miami s'offrent à nous, ainsi le meurtre devient la justice nécessaire d'un monde en plein changement, ainsi s'ouvre l'esprit glauque et justicier de l'expert en taches de sang et en meurtre de Dexter. Surprise, motherfucker. Dexter est une série adaptée des romans de l'auteur américain Jeff Lindsay et développée pour l'écran par James Mano Jr., showrunner de séries comme Les Sopranos ou The Shield. L'histoire, c'est celle de Dexter Morgan, un expert en taches de sang et traçabilité sanguine dans la ville de Miami en Floride. La journée, il travaille pour la police, mais le soir, alors que le soleil se couche, il devient un redoutable serial killer à la recherche des différents tueurs rongeant sa ville, cherchant à rendre justice par le sang, en tuant les hommes qui gangrènent son QG. Au fil des saisons, il découvrira les origines de cette violence en lui et cherchera à devenir un être humain comme les autres, doué d'émotion et de compassion. La série est donc avant tout un objet télévisuel, jouant avec la place du spectateur par rapport à ce personnage, l'interprétation que l'on peut se faire de ses actions, au fil d'une série ayant cherché à explorer jusqu'au plus profond possible ce qui fait un être humain. L'esprit de la série se base ainsi sur une immersion complexe mais justement dosée, cherchant à nous faire accepter la place de cet antagoniste, à la base comme protagoniste central de la série, grâce à une première saison créant un lien affectif fort entre celui-ci et ce personnage antipathique et sombre. Au fil des saisons et au fil du développement du personnage plus ou moins juste, Mano Jr. et Scott Buck, showrunner de la série par la suite, ont cherché à explorer les méandres de l'homme, mais surtout la base de l'immersion artistique qui fait que l'on peut s'identifier à un personnage même si celui-ci est vilain sur le papier. C'est donc par le biais d'un développement dramatique fort que cette série fonctionne, mais c'est surtout parce que le personnage central est à la base de la réussite narrative et créative pour cette série unique pour son époque. Cela semble presque anecdotique à évoquer, mais pourtant, c'est l'un des points centraux de la réussite narrative et dramatique de cette série, la place laissée à Dexter Morgan, sur le papier le parfait méchant, mais devenant ici un héros à l'envergure dramaturgique rare. La puissance iconique du personnage n'a d'égal que la finesse de son écriture, que l'on doit au grand auteur Jeff Lindsay, parvenant à saisir toute la justesse de notre époque, et surtout, la place du mal au sein d'un homme cherchant à l'exploiter pour le bien de l'humanité. Ce mal incarné qui prend la forme d'un doux visage presque angélique, inspirant l'innocence mais reflétant très bien la facette de l'humanité, cherchant à donner à voir à notre prochain une image reflétant ce que nous pensons être un homme, mais qui ressemble finalement plutôt à l'opposé même de ce que doit être un homme. Le jeu avec la voix off du personnage est également au centre de l'immersion de cette série, parvenant à se relier à l'écriture de Lindsay et réussissant au fil des saisons et d'un équilibre suave à distiller le rapport d'intimité entre les spectateurs et le personnage. En créant ainsi une immersion par un rapport de confidence entre Dexter et nous-mêmes, Mano Jr. réussit à capter la base d'une immersion dramatique en simplifiant ce qui aurait été complexe et limite casse-gueule sans celle-ci et devient ici l'un des plus gros points forts de la série. Ainsi, au fil des saisons, au fil des aventures, le développement du personnage prend la forme d'une confession, comme si au-delà de simplement nous parler, cet anti-héros cherchait surtout à absoudre ses péchés et leurs conséquences sur le monde. Et puis surtout, c'est la première fois, tout concept policier audiovisuel confondu, que l'on s'intéresse à un expert du sang, ce qui en soi peut aussi sembler anecdotique que cette partie, mais ne l'est pas du tout finalement. Toujours dans l'ombre, à l'image de ses actions, cette activité reflète le caractère du personnage, comme si en tant que reconcepteur de la mort des victimes qui l'auscultent, ce héros avait un rapport intime et suave avec la mort, un rapport que lui-même accepte et savoure comme une bénédiction et presque un devoir sacré envers ce monde. Ce monde qui lui a enseigné comment se contrôler, ce monde qui l'entoure et qui à la fois l'emprisonne et cherche à le conditionner, mais qu'il rejette, refusant ainsi de se plier à ce que la société réclame de nous, mais cherchant plutôt à faire plier cette société en direction de son bon vouloir pour l'équilibrer et tenter de la rendre plus juste et surtout plus sûre. Dexter Morgan devient alors la base de la réussite de cette série, car s'il n'y avait pas eu ce personnage, la série se serait certainement rapidement épuisée, surtout lorsque l'on regarde l'équilibre dramatique des saisons. Ce qui faisait la force de cette série s'est très souvent essoufflé,
car si le concept de base est attrayant, le manque de maîtrise de celui-ci a souvent amené les scénaristes à ne pas savoir comment relancer la machine. Au bout de la saison 3, un espèce de schéma a commencé à voir le jour dans la dramaturgie de Dexter, comme une régularité qui n'est pas un point très positif. Une saison sur deux, soit cela passait, soit cela cassait, et pas qu'un peu malheureusement. Entre un padawan ridiculeusement mal amené, des cavaliers de l'apocalypse un peu trop religieux et poussifs, ou une jeune femme qui représente son alter ego, les idées partaient un peu dans tous les sens, laissant ainsi le téléspectateur perdu devant des tentatives dramatiques qui souvent échouaient et rarement proposaient quelque chose de fort ou même simplement de juste. Cela entraîne malheureusement un problème affectif envers le personnage de Dexter, ne parvenant pas à proposer assez de renouveau pour ce héros et ainsi assez d'émotions pour traiter son développement avec équité et efficacité par rapport au récit. Le problème étant également qu'au cœur d'une série sur fond de meurtre, les enquêtes policières permettant de faire évoluer la narration des saisons sont souvent faibles et même parfois assez inexistantes, la série se reposant un peu trop sur le développement de Dexter et pas assez de son métier, pourtant essentiel à la construction du personnage. On peut accepter cela par le biais de la construction des personnages importants de la série, comme dans la saison 4, mais lorsqu'on en voit d'autres saisons qui manquent de justesse, on se demande si le fond ne serait pas un peu délaissé parfois par la forme et l'envie de trop renouveler l'esprit de la série après chaque climax de saison, comme dans la saison 4. On appuie là-dessus, mais la saison 4 représente l'apogée du personnage, parvenant à saisir la place du père dans la vie de Dexter et la place de sa vie privée face à sa vie de tueur en série, parvenant à proposer un vrai regard nouveau pour ce héros parfois mal amené. La série pêche non pas par un manque d'invention, mais par un manque de construction donc, ne saisissant pas tous les enjeux au cœur du personnage, s'imposant par une première et une deuxième saison superbes, qui laisse la place à une série en dents de scie, oscillant entre moments de bravoure et instants proches du désastre dramatique, sans trop évoluer à la fin, qui sonne le glas d'une série qui aurait pu et dû être meilleure. Meilleure dans sa construction au fil des saisons, meilleure dans son développement du personnage principal, meilleure dans la construction et l'objectif rédempteur de cette série, et tout simplement, meilleure dans la fascination de Dexter pour la mort, et puis surtout, les êtres encore humains autour de lui. Il reste à la fin de la série une note amère en bouche, même si tout de même, en restant objectif, la série reste un exemple de construction émotionnelle et de maîtrise dramatique, plombée par des instants de télévision parfois tristes, souvent décevants, tout simplement. Mais là où la série n'a aucune faute, c'est dans le choix de ses acteurs et des personnages en général, offrant un portrait humaniste superbe et surtout une construction de casting proche de la perfection de direction. Un casting fait souvent la force ou la faiblesse d'une série s'il n'est pas maîtrisé ou emmené assez loin pour offrir quelque chose de fort avec des personnages intenses, évocateurs et surtout libérateurs quant à l'émotion qui doit se diriger vers le spectateur et son parcours au fil des différentes saisons. Ici, rien que dans le choix de Michael C. Hall dans le rôle de Dexter ou de Jennifer Carpenter dans le rôle de Debra, la série a réussi à imposer deux personnages en peu de temps et par la suite, que ce soit David Zayas, C.S. Lee, Desmond Harrington et Lauren Luna Venez dans les rôles des collègues ou James Remar et Julie Benz dans les rôles des proches de Dexter, la série s'est imposée comme un modèle de direction, même avec Eric King devenu un mème sur Internet. Bref, tout cela pour évoquer la réussite de ce casting, imposant des acteurs devenus depuis l'image même de la série, au-delà de son protagoniste principal, mais également parce que ses personnages sont superbement bien écrits. Chaque personnage a une place importante au cœur de ce récit, évoquant de près ou de loin une étape dans l'évolution humaine et émotionnelle du personnage de Dexter, s'imposant comme un passage obligatoire pour ce personnage dans la relation personnelle ou professionnelle avec l'autre, par le biais d'un regard profond sur la place d'un acolyte. Ces personnages ne sont plus simplement secondaires et on s'en rend vraiment compte au fil des saisons, car si, comme évoqué au-dessus, celle-ci manque d'équilibre par rapport à Dexter, elle se rattrape grâce au développement de chacun de ses petits héros, réussissant à rattraper des erreurs de dramaturgie par une accroche émotionnelle juste au cœur de ses personnages. Le rattrapage affectif par l'accroche durable d'un personnage dans l'esprit des spectateurs, c'est ce que cette série a su développer et imposer, presque comme une marque de fabrique au fil des saisons. Modèle d'écriture de personnages au caractère certain et à la trempe évocatrice de l'évolution du héros, avec forcément quelques maladresses par-ci et par-là, la série n'en reste pas moins forte grâce à cela, sachant nous surprendre au bon moment pour jouer avec ce que l'on pouvait attendre d'un acolyte de notre héros, allant jusqu'à se permettre quelques moments forts, comme à celui de la fin de la saison 4, encore celle-là oui. C'est ainsi que cette série a su s'imposer auprès du grand public, en 8 saisons plus ou moins fortes, mais cherchant toujours à s'accrocher à ses personnages et à leur sens dramatique pour nous faire réfléchir sur la place en tant qu'être humain de ce cher Dexter Morgan. Dexter Morgan est un grand personnage de la télévision moderne, et cette série, même si elle est déséquilibrée et que son final manque de panache, reste un des étendards dramatiques du monde télévisuel moderne, comme on peut le voir grandir aujourd'hui. Dexter est une série qui aurait pu être un échec dès son concept de base, en ne maîtrisant pas le caractère de son personnage central, mais heureusement, c'est l'inverse compliqué est arrivé, ce qui lui a permis de rentrer dans la légende de la télévision.
il y a eu peu de précurseurs dans cette catégorie, celle de se mettre du côté des méchants, mais dans le genre, on retient deux séries emblématiques du début des années 90, Les Sopranos et Dexter, ce dernier s'étant surtout imposé grâce à son récit, sa forme et surtout son héros charismatique. Malgré de nombreuses maladresses, notamment une direction narrative et dramatique de la série qui laisse un peu à désirer, la série s'est imposée comme un objet audiovisuel passionnant, entraînant, violent à souhait et équilibré en matière d'immersion et de construction de personnages. Si l'on pourra toujours reprocher à Dexter d'être un peu complexe à suivre en matière de dramaturgie et de logique quant à la continuité dramatique, il est indéniable que sur les 8 saisons, elle a réussi à se maintenir en tête d'audience en trouvant un vrai équilibre narratif et visuel. Les personnages, l'univers, la complexité émotionnelle et personnelle du personnage central et la relation qu'il entretient avec le monde et son monde, tout cela construit au fil des saisons une relation de confiance avec le spectateur, donnant du caractère à la série et de la logique à des événements qui auraient pu laisser le spectateur sur le banc de touche. La justesse de l'adaptation de James Mangold Jr. permit à cette série de s'imposer auprès du grand public et de devenir un modèle en matière d'immersion et de composition pour créer une série qui fit clairement avancer le monde de la série. Dexter est un précurseur en matière de dramaturgie et d'écriture sérévisuelle, et comme dit plus haut, il a permis à la télé de placer au cœur d'univers divers et variés, des méchants en son centre, et dans un sens, on peut dire que sans Dexter, on n'aurait pas de Breaking Bad ou de Game of Thrones aujourd'hui. Ainsi s'achève ce 4e épisode. Si vous aussi vous avez des séries cultes dont vous aimeriez que l'on parle, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires, on en tiendra compte. Et d'ici là, gardez les yeux rivés sur le petit écran pour voir le monde en grand.